tous, ici à Johanna de Sciences Po TV Menton. Nous sommes ici sur le campus Moyen-Orient et Méditerranée pour couvrir le MedMoon, la simulation des Nations Unies que tout le monde attend ici. Nous allons être avec vous pour vous montrer toutes les coulisses du MedMoon. It is with great pleasure that I welcome you all to this fifth edition of our conference. Pourriez-vous présenter brièvement et votre rôle durant ce week-end? Je suis Lorenzo Repetti et je suis président du comité italien. Je suis donc chair pour le comité de crise historique, notamment pour les forces du FINU, qui sont les forces intérimaires des Nations Unies. I am the department of UNDESA and UNICEF. And today our goal will be to solve the problems, the migration problems who are affecting by the children. Je suis un junior advocate pour la Cour internationale de justice et je dois défendre l'Iran avec un conflit territorial avec l'Arabie saoudite. Je suis Iman Aititir et je suis responsable du comité de la Ligue arabe cette année et je suis également chair de ce comité. Qu'est-ce qui vous donne envie finalement de participer à ces MedMoon? C'est justement le fait qu'on ait des comités dans des langues différentes, l'arabe, l'italien, l'anglais et le français. Ça permet de rencontrer des personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Et c'est très intéressant de voir comment les choses fonctionnent et aussi d'apprendre à mieux négocier, de pouvoir faire des recherches sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordé si on n'avait pas fait ces MUN. Aussi la possibilité d'échanger sur des questions assez importantes au niveau international.